Alors, je m'appelle Nicolas Delattre, j'ai 22 ans, donc avant j'étais en prépa maths, et puis j'ai décidé d'arrêter ça et de passer en école de journalisme, donc à l'ISCP à Lyon. C'est parce qu'au début j'étais allé en prépa maths et je me suis dit qu'en fait je voulais plutôt écrire plutôt que de faire des calculs tout le temps, et donc mon rêve c'est d'être journaliste scientifique. Alors pourquoi l'ISCPA? Bah déjà parce que j'avais vu qu'il y a un vrai accompagnement au niveau des stages. Ce qui m'a aussi intéressé chez l'ISCPA, c'est tous les, je dirais, les locaux, les salles, etc. qui sont mises à notre disposition. On a un grand campus, en tout cas ici à Lyon. On a plein de matériel et on peut faire tout ce qu'on veut, que ce soit un reportage télé, radio ou presse écrite, vraiment sur les trois supports. Alors si j'avais un conseil pour les gens qui viennent passer le concours de l'ISCPA, déjà revoyez votre orthographe, parce que orthographe et grammaire, je pense que c'est hyper important quand on veut être journaliste de savoir bien écrire. Autre chose, révisez bien l'actualité. Voilà, un journaliste se doit de suivre l'actualité tous les jours, il y a plein de trucs pour faire ça, sur Twitter, Internet, il y en a partout. Et puis surtout, un dernier conseil pour le concours, ne soyez pas stressé, hein. Le but du jury, c'est vraiment de savoir qui vous êtes, un peu d'en apprendre plus sur vous, sur votre projet professionnel, c'est vraiment pas de vous juger, voilà.